dérange pas? Oh pardon commissaire, excusez-moi, mais hier soir j'étais invité à l'anniversaire d'un ami. Pour vous dire que je me suis couché à pas d'heure. Ah ouais, vous avez des amis, Bloom? Bah oui, bien sûr, pourquoi pas vous? Bah si, bien sûr que j'ai des amis. Hein. C'est intéressant, vous n'en parlez jamais. Vous êtes sûr que ces amis ne vivent pas dans votre imagination, inspecteur? Et vous, c'est quoi les prénoms de vos amis? Papa et maman? Bon, Beretta, votre pilote d'avion d'épandage qui aurait soi-disant vu un cadavre au milieu des champs. On arrive bientôt, là, pour traverser la Manche. Non, non, là, c'est normalement, c'est bientôt, là. Il faudra se garer, puis après, ça sera sur la gauche. Non, sur l'autre gauche, oui. Vous voulez dire sur la droite, hein? Vous voyez, Bellecour, c'est ce genre de petite remarque pénible qui fait que vous n'avez pas d'amis. Donnez-moi ça. Ben vous allez où, là? Faites-moi confiance, Beretta. Chez les scouts, on m'appelait la boussole. Bah, comment il a pu atterrir ici, ce pauvre monsieur? Il n'y a aucune trace, à part les nôtres. Oh non. Oh non, pas lui. Vous connaissiez la victime? C'est Claude Lacombe, présentateur de l'émission télé aux frontières du cosmos. À mon avis, ils sont revenus parce qu'il en a trop dit. Qui ça, il? Les visiteurs de l'espace, vous avez pas lu son best-seller? C'est quoi ça, des visiteurs de l'espace? Mais si. Des extraterrestres que Lacombe aurait rencontrés, mais c'est de la science-fiction, ça. On sait très bien que c'est des conneries, tout ça. Ouais, ça, c'est vous qui le dites. Dans son bouquin, Lacombe décrivait leurs coutumes, leur technologie. Et maintenant qu'il en dit encore plus à la télévision, ils sont revenus pour le faire taire. Bah, voyons. Bon, et en l'état, vous pouvez me dire quoi sur ce brave homme? Multiples fractures. Il est mort sur le coup. Probablement d'une chute. De très 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 haut. Je dirais que le décès remonte à une douzaine d'heures. Donc il faisait nuit. Il aurait été jeté d'un avion? Oh, le corps aurait roulé, ça se verrait. Il est tombé d'un point fixe. Un ballon? Un hélicoptère? Non, non, ça vole pas la nuit, ces trucs-là. Mais c'est quoi ces ronds noirs? Je dirais bien que c'est un ovni qui s'est posé ici. Un ovni? Le décès a eu lieu vers 22h30, quasiment tous les os sont brisés. Il manque une incisive qui a dû sauter au moment du choc. Bref, je confirme que c'est bien une chute qui est la cause de sa mort. Quelle hauteur? Entre 25 et 30 mètres. Ce qui concorde parfaitement avec une chute depuis un ovni. Vous prononcez ce mot encore une fois, je vous colle au trou. Et là, vous me collez au trou, commissaire? Claude Lacombe. Rencontre. Les visiteurs de l'espace m'ayant ordonné de ne rien révéler de ce que j'avais pu voir ou entendre lors de notre rencontre, je sais qu'à compter de cet instant, je m'expose à leur colère. En vous racontant mon expérience. Et oui, I want to believe. Je sais même pas comment un type aussi futé que vous peut croire des imbécilités pareilles. Avec la place pour le sujet numéro 4. C'est la reprise, tout le monde sur le plateau. Ok, lancement du générique, puis on passera sur la caméra 2. Ensuite, indicatif, puis deux diapos, la 3 et la 3 bis. Allez, on se prépare, on fait le réglage du synthétiseur. Attention, elle va être dans le champ de la caméra 3, s'il vous plaît. Top, retour Jean-Luc Plateau. Le gouvernement français vient de décider que la future station orbitale en construction, la station européenne, sera à dominante française, ce qui est une bonne nouvelle pour nous autres Français, puisque nous aurons ainsi la primeur des voyages dans l'espace dès le début des années 2000. Car bientôt, nous voyagerons à travers l'espace jusqu'aux confins de l'univers où nous rencontrerons nombre de civilisations extraterrestres. Et blablabla, et à la fin, je lance le magnéto de Jean-Luc sur les soucoupes volantes au-dessus de Valenciennes. Ok, mais on la fera avec un peu plus d'entrain, Yves. Hein. Il est arrivé, Claude? Non, madame. Est-ce que ça vous irait, ça, comme image de fond de plateau? Oui, oui, c'est bien. J'ai dit personne pendant les répétitions, on n'est pas au zoo. Ah bon? Parce que moi, j'ai une entrée gratuite pour le rocher aux singes, regardez. Oui. C'est pourquoi? Vous avez vu un ovni? Non. Nous, c'est plutôt votre mari qu'on a vu. Inspecteur, vous permettez? Madame Lacombe... vous devriez vous asseoir parce que ça concerne votre mari. Il se trouve qu'il... Il est mort hier soir. Vous êtes sûr? Oui, oui. Rien de mort. On peut se parler? Attendez une seconde. Claude est décédé hier soir. Nous lui rendrons hommage lors de la prochaine émission. Personne n'a de tact ici.
c'est Chambas. Hein? Bon, enfin, patron, Régis Chambas. Le meilleur buteur du championnat 70. Excusez-moi. Bonjour, Max Beretta, je suis un grand fan. Et je suis vraiment désolé pour votre jambe. Bah ouais, mais pas autant que moi. Alors maintenant, vous travaillez à la télévision? Si on veut, ouais. Je nettoie. Et c'est quoi, ça? Un extraterrestre écrasé? Non, c'est une tasse de café. Parce que hier, sur le plateau, ça a salement chauffé. Des potins? Vous voulez pas me raconter? J'adore ça. Oui. En fait, on venait de terminer l'émission. Et ils se sont pris le bec. Coupé. Le présentateur et la productrice. Jacqueline, c'est pas possible, j'ai encore perdu 4 minutes d'antenne, là. Ah, je suis désolé, Claude, mais c'est elle qui m'a demandé de faire plus long. Puis je peux rien, moi. Claude. Mais ça sert à rien de te mettre dans des états pareils, mon chéri. Je te préviens. Si cette situation ne change pas très vite, tu vas le regretter. Fais attention. Fais très attention, Jacqueline. Ne me menace plus jamais! Dans un champ. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et moi, je me suis même pas inquiétée. Claude découche souvent pour observer les étoiles. Sa petite fenêtre sur l'infini, comme il dit. Toujours en quête d'un engin spatial, d'une rencontre avec un extraterrestre. Et elle est où, cette fenêtre? Personne n'a jamais su. Je sais juste qu'il y allait en voiture. Une façon de fuir le lit conjugal? Nous étions très amoureux. Si c'est ça que vous voulez savoir. Quelques heures avant le meurtre, vous lui avez quand même balancé amoureusement votre café à la figure? Une productrice et son animateur, ça se chamaille souvent. Alors qu'en plus, ils sont mariés depuis 25 ans. Vous étiez où hier soir, Madame Lacombe? J'ai terminé de monter un reportage vers 20h, je suis rentrée chez moi, j'ai pris un bain, un verre de vin blanc, un cachet et j'ai dû m'endormir vers 22h. Fallait bien qu'il vienne le chercher un jour, Monsieur Lacombe. Il? Bah oui, les visiteurs de l'espace. Et vous y croyez, vous, à ça, aux extraterrestres qui seraient revenus? Je reconnais bien dans le ton de votre voix le mépris de ceux qui se moquent de nous depuis des années. Excusez-moi, mais j'ai une émission en souvenir de Claude à préparer. Bonjour. Vous êtes de la police? En effet. Qu'est-ce qui est arrivé à Claude? Bah, vous savez, parfois, la vie, c'est... Il a été assassiné. Et qui a fait ça? Eh bien, figurez-vous que c'est la question qu'on se pose tous. Il avait des ennemis? C'était un mec en or. Tout le monde l'aimait. Enfin, à part Jean-Luc Bossuet qui voulait le dégager. Monsieur Bossuet? Jacqueline vient de m'expliquer ce qui est arrivé à Claude. C'est terrible. Le bruit court que vous vouliez prendre sa place? Je dois tout à Claude. C'est lui qui m'a tout appris. Non mais quel genre d'humain peut inventer une mise en scène aussi macabre? Humain? Ah, pour vous, c'est pas un coup des... Visiteurs de l'espace. Voilà. C'est des conneries, tout ça. Ça fait un an que j'enquête pour cette émission et j'ai jamais vu de petits hommes verts. En revanche, les mythos et les cinglés, c'est pas ce qui manque. La priorité, c'est de trouver la voiture de Lacombe. Et à mon avis, elle est garée près de sa petite fenêtre, là. C'est une Aston Martin. Ça court pas les rues. Oui, enfin... Voiture ou pas, ça nous dit pas comment il s'est retrouvé au milieu de nulle part. Bon, vous avez quoi sur les suspects? Oh non, pas Régis Chambas. Bah, vous trouvez pas qu'il a été un peu vite pour balancer la veuve? Pourquoi il aurait tué Lacombe? Je vous ai déjà parlé de la programmation neurolinguistique. C'est une technique américaine qui s'intéresse aux processus comportementaux acquis. J'aime pas les Américains. Là, la posture de Jacqueline, son regard, la position de ses mains. Ça, c'est du désir. Et ce désir va vers Jean-Luc, qui lui a les bras grands ouverts, comme pour accueillir l'amour qu'elle lui porte. Vous pensez à de la promotion canapé? Mmh. Lacombe les surprend et la confrontation tourne mal. Mmh. Et là, on a un mobile. Beata, vous auriez 2 secondes? Mmh. Une ufologue vient d'arriver de la capitale. Elle va enquêter sur l'affaire Lacombe. Une quoi? Une spécialiste des ovnis. Le ministère des Armées m'a demandé si on avait quelqu'un pour l'assister pendant son enquête. C'est l'affaire de 4 ou 5 jours. Oh, écoutez, j'ai autre chose à faire que jouer les babysitters pour une maboule qui croit aux petits hommes verts. En plus, avec Gréco, on est déjà sur une piste, donc là, ça m'arrange pas.
On a qu'à lui prêter râteau à l'urologue. Ufologue, pas urologue. Je suis Sylvia Deneau. On va pas se fâcher pour une consonne quand même. Alors, changement de programme, finalement c'est l'inspecteur Râteau qui s'occupe. Non, ça va aller, Max Beretta, enchanté. Bon. Ah, c'est parfait. Bien. Et si on commençait par aller boire un verre, non? Et si on commençait par la scène de crime? On y allait fait nuit? Moi j'adore les balades au clair de lune, non? Pas à vous? Commissaire, il va falloir que j'y aille parce que le goff m'a demandé d'accompagner quelqu'un du ministère des Armées sur la scène de crime. Très bien, bah demain, Beretta. Bah non, parce qu'en fait, cette personne va avoir besoin de moi quelques jours. Oh, mais regardez pas comme ça, commissaire, j'y suis pour rien, moi. Le goff a insisté, et les ordres, c'est les ordres. Je vais aller lui parler. Non. Écoutez, j'ai donné ma parole, ça me réjouit pas, mais je crois que parfois, il faut savoir se sacrifier pour la France. Je vois. Il y a plutôt pas mal la France. On a un cadavre encore tiède et vous préférez suivre une jolie fille. Elle est jolie, j'ai pas marqué. Non, vous fichez pas de moi, Beretta. Ça s'appelle un abandon de poste. C'est à ça de la faute professionnelle. Oh là là, tout de suite les grands mots. Lamentable. Un vautour sur une charogne. Vous voulez que je vous le dise? Allez-y. On s'en sortira très bien sans vous. Peut-être même qu'on s'en sortira mieux. Vous êtes en train de dire quoi là? Que je suis un mauvais flic, c'est ça? Quand vous vous comportez comme un mâle en rut, vous me servez à rien. Très bien. Bah ça me changera de plus travailler pour un tyran. Bon, les mots de l'inspecteur ont dépassé sa pensée. Non, elles ont rien dépassé du tout, non. Vous savez quoi? J'en ai marre, moi, d'être traité comme un toutou à sa mémère. Pardon? Ouais. C'est qui la mémère, là? Mister Greco, ravie de vous rencontrer. Je suis Sylvia Deneau, ufologue. Bonjour. Bonjour. Ouf. Bonjour. Vous pouvez garder l'inspecteur Beretta autant que vous le voulez. Je fais plus partie de mon équipe. Pardon? Oh. Eh ben, adieu. Je vous en prie. Installez-vous. Je comprends pas bien ce que je fais ici, mais enfin, si je peux aider. Vous avez rejoint l'équipe de Claude Lacombe il y a tout juste 10 mois? Ouais. Comment vous avez obtenu ce travail? Bah, il se trouve que j'ai travaillé aux Amériques pendant 3 ans sur un grand network. C'est une chaîne de télévision, si vous préférez. Alors, quand je suis rentré en France, j'ai cherché un job de présentateur et comme j'avais été bercé par les émissions de Claude Lacombe, j'ai tenté ma chance et ça a marché. Et vous avez monté les échelons très vite, ce qui fait pas mal jaser. Il s'est jamais rien passé entre Jacqueline et moi, si c'est ça que vous insinuez. On se côtoie, on s'apprécie, on se respecte, mais c'est tout. Je peux savoir de quoi on m'accuse juste parce que je... On n'accuse pas. On creuse. Vous étiez où, le soir du meurtre? J'étais chez moi avec des amis qui font le tour du monde. Des Américains. Et on peut les trouver où, vos petits camarades? Alors ça, j'en ai pas la moindre idée. Je sais seulement qu'ils ont pris un avion hier matin pour aller en Italie. C'est bien pratique. Mais vous pouvez demander à mon voisin, si vous voulez. Le dîner s'est éternisé, on a fait beaucoup de bruit. Enfin, les retrouvailles entre amis, quoi. Vous savez ce que c'est? Ça, oui, carrément. Au fait, comment je dois vous appeler? Mademoiselle, madame, Sylvia? Accrochez-vous à moi, venez. Écoutez, j'ai fait 13 ans de judo, 4 marathons, vous êtes gentille, mais je pense que je peux marcher toute seule. Ça ressemble à un crop circle. Alors pour certains, c'est un signe volontairement laissé par les extraterrestres. Et pour d'autres, c'est la trace d'atterrissage d'un vaisseau spatial et on en trouve un peu partout sur Terre. L'atterrissage d'un vaisseau spatial? Mais arrêtez, vous croyez pas ces conneries quand même. Allez. Regardez le ciel. Regardez. Dites-vous qu'on est sur une planète entourée de milliards d'autres planètes de notre toute petite galaxie. Et des galaxies, il y en a des millions de milliards dans l'univers. Tout éclairé par des milliards de milliards de soleils. Oh, c'est dingue. Alors oui, je pense qu'il y a une vie ailleurs. Je vous parle pas de petits hommes verts, hein. Mais ce serait vraiment naïf de penser qu'on est les seuls dans l'univers, non? Pourquoi il fait du bruit, votre truc, là? C'est un compteur GGR, ça veut dire que la zone est radioactive. C'est quoi, ce bordel?
Je n'ai pas d'amis. Et pourquoi ce serait soudainement un problème? Tu n'as jamais eu d'amis, ma chérie. Tu dois être habituée maintenant. Et puis, tu nous as, nous. Bah justement, vous les faites fuir. Pardon? Tu te souviens quand j'étais petite? J'avais invité toute ma classe pour mon anniversaire. Et toi, au moment du gâteau, t'as dit que le Père Noël n'existait pas. Parce qu'il existe, peut-être? Mais enfin, on avait 4 ans! Rose, où veux-tu en venir? Et il est temps que j'arrête de vivre dans votre ombre. D'ailleurs, je vais me chercher un appartement dès aujourd'hui. Et n'essayez pas de me faire changer d'avis, ma décision est prise. Je me lance dans la vie. Dans ma vie. Donc, si tu n'as pas d'amis, c'est à cause de nous. Ton fichu caractère n'y est pour rien. Bon, tu as raison, ma chérie, nous sommes des monstres. Que t'avons-nous offert, finalement? Une existence paisible dans un hôtel particulier? Un compte en banque bien rempli. Une jolie Porsche. Voilà. Maintenant, je suis libre. Je te donne 24 heures pour revenir. Commissaire, faut absolument que vous regardiez ça. Hier soir, avec Sylvie, on est allé sur la scène de crime. Et on a vu un grand cercle lumineux et radioactif. Dis donc, Beretta, c'est fascinant ça, mais comment savez-vous que c'était radioactif? Et parce qu'on avait un compteur Geiger. Voilà. D'ailleurs, j'en ai parlé à Bloom, il dit que c'est impossible de trouver autant de matière radioactive. Alors, si ça, c'est pas la preuve d'une manifestation extraterrestre, Et là, vous me répondez, vous me dites, mais enfin, Beretta, vous allez pas vous mettre à croire à ces conneries. Évidemment que non, j'y crois pas, c'est forcément une mise en scène. Alors, j'ai un plan. On dit rien à personne, et je bosse avec vous en parallèle de l'enquête avec l'ufologue. Ça vous dit? Vous pensez sincèrement qu'avec des fleurs et des croissants, tout est pardonné? Ah non, 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 c'est pas pour vous, ça. Mais qu'est-ce que j'aurais à me faire pardonner, d'ailleurs? C'est vous qui avez commencé? Je suis désolée d'être en retard, mais j'ai quitté mes parents. Eh ben, je vous donne pas 24 heures avant d'y retourner. Ça s'est pas arrangé avec la commissaire? Ça veut dire que vous y êtes pas allé avec le dos de la cuillère, hein? Ah, vous êtes de son côté, c'est ça? À partir d'aujourd'hui, je suis que d'un seul côté du mien. Je vais avoir mon cabinet à moi, mon appartement à moi, je vais me faire mes amis à moi. Bon, même si tout ça s'est fait très vite et que je me retrouve un peu à la rue. Ah bah, si vous avez nulle part où dormir, moi j'ai un très grand lit dans ma chambre d'hôtel. Oh, merci. Oh non. Non, non, je vous empoisonnerai la vie. Je gesticule terriblement la nuit. Croissant? Ben non, merci, je déteste ça. On va se séparer des fleurs aussi parce que je suis allergique. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, commissaire? Je sais pas. Il y a un truc qui est pas comme d'habitude. Ça, c'est l'inspecteur Beretta qui vous manque. Vous commencez à être un vieux couple. N'importe quoi. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais l'imiter. Ça va vous aider. Ah non, mais c'est vraiment pas nécessaire, Belcourt. Je suis en train d'organiser les funérailles de mon mari. Alors, on va faire ça vite? Ah, bah ça va aller très vite. On vous soupçonne d'avoir donné dans leur sup avec Jean-Luc Bossuet, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas du tout mon genre. Puis ça pourrait être mon fils. Elle nous prendrait pas un peu pour des cons, là, Jacqueline? Jacqueline, tu nous prendrais pas un peu pour des cons, par hasard? On l'a vu, Jean-Luc. On se doute bien que tu l'as pas embauché juste parce qu'il était bon en dictée. Parce que vous êtes vulgaire. Et puis un jour, Claudio vous surprend en plein bécotage et toi, tu te dis qu'un petit meurtre fera moins de paperasse qu'un gros divorce. Classique. Mais si j'avais voulu tuer mon mari, je l'aurais fait quand il était drogué et infidèle. Comment ça? J'étais une petite speakerine quand j'ai connu Claude. Lui, c'était déjà une vedette de la télévision et de la radio. Une vedette charmante. Volage et cocaïnomane. Et tous ses excès en direct l'ont conduit à son renvoi du journal télévisé. Et puis c'est devenu quelqu'un de tout à fait différent après sa rencontre avec les visiteurs de l'espace et...
Je suis désolé. La cellule ufologie aurait besoin de la salle. Ils peuvent pas aller ailleurs. C'est-à-dire qu'ils ont spécifiquement demandé celle-ci. Et comme ça dépend du ministère... Allez, hop, réquisition du ministère des armées. Ah bah voilà. Ah, excusez-moi, commissaire, mais là, il va falloir laisser la place à ceux qui vont résoudre l'enquête. Allez. Un vautour sur une charogne. Hmm. Bon, ben les voisins de Jean-Luc Bossuet confirment. C'était la fête à Neneu jusqu'à pas d'heure. Il y en a même un à qui il a emprunté un tire-bouchon au milieu de la nuit. C'est donc plus possible de trouver un 6 pièces pour moins de 300 francs par mois? Excusez-moi. Bah, j'entretiens pas mal mon corps, je trouve que c'est important. Bien sûr. Eh ouais. Dites-moi, la zone 51, Roswell, le triangle des Bermudes, tout ça. Dans votre job, vous devez avoir des infos de première bourre, non? Mélangez un peu tout. Ils sont où, les trucs électroniques super puissants pour traquer les ovnis? C'est quoi, le job, en fait? C'est ça, le job, inspecteur. D'accord, donc de la cour de votre ferme, vous avez vu une lumière étrange. Mais écoutez, monsieur, moi, je veux bien vous croire, mais vous aviez bu combien de chopines avant de percuter ce martien avec votre voiture? Non, l'idée, c'est pas de zigouiller les extraterrestres, non. Non, en fait, nous cherchons simplement à... On enquête sur le phénomène... Ouais, bien sûr, vous avez un fusil. C'est sûr. Oui, je le note. Ouais, bonjour, passez-moi à la Voix du Nord, s'il vous plaît, le service des sports. Régis Chambas. Renversé il y a 2 ans, triple fracture de la jambe, carrière foutue. Il y a un truc qui me chiffonnait, j'arrivais pas à foutre le doigt dessus, là j'ai trouvé. L'Aston Martin, regardez. Renversé par l'Aston Martin du journaliste Claude Lacombe. L'affaire a été classée sans suite. Pour se faire pardonner, Lacombe l'a embauché. Passer de roi du ballon à femme de ménage, ça doit pas être évident au niveau du surmoi. Ça, c'est un mobile. Passez-moi les clés de votre bagnole. Allez, on va lui foutre le grappin dessus. Oh bah non. Pas vous, Beretta. Je vais vous épargner de travailler avec un tyran. Vous pouvez retourner jouer à la standardiste. Ah alors, je suis désolé, mais la cellule ufologie a besoin de mon véhicule. Belle cour, je réquisitionne votre Porsche. J'ai plus de voiture. Rato ! On va prendre votre bagnole. Ah, c'est-à-dire que suite à un malencontreux incident apéritif, on a suspendu mon permis, du coup, je viens à bicyclette. Je suis désolé, hein ! C'est parce que la sirène est coincée ! Dès qu'on roule, elle se met en route ! Je vous le ramène, patron ! Que la fuite est l'arme des lâches. Vous êtes un champion. Vous savez reconnaître une défaite. Pas bouger, sinon j'égalise avec l'autre jambe. Un souci, inspecteur? Non, mais... Vous aimez pas les fleurs? Vous aimez pas les croissants? Vous aimez pas les pompes? J'espère vraiment que votre instinct de flic est meilleur que votre instinct de mâle. Ah, mais je vais trouver ce qui vous plaît, moi. Il y a eu une grosse lumière, de ce côté-là. C'était vers 22h30. Il y a même mes poules qui sont mises à gueuler. Mais c'était peut-être le phare d'une moto. Ben, il y a des champs là-bas. Un tracteur qui serait venu moissonner. Personne du pays s'amusera à moissonner là-bas. Il y a des ossements partout depuis 14-18. On a du respect pour les morts, nous autres. Major Robert, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous foutez là? Monsieur, on se calme, c'est la police. Dehors de chez moi. Écoutez, cher monsieur, nous sommes simplement venus parler avec votre femme de la lumière qu'elle a vue l'autre soir. Ferme ta gueule.
Allez, du calme. Laisse-moi. C'est bon, vous êtes en sécurité avec moi. Je t'ai pas inquiète. Hein. Merci, Max. C'était vraiment impressionnant, votre petite intervention, là, tout à l'heure. Non, mais non. C'est rien du tout, vous savez, un peu de jugeote, un peu de coronesse, et puis ça fait. Hein. Dites-moi, il se trouve que j'ai un projet d'émission sur la police, là. Vous seriez libre à l'occasion pour en discuter? Alors ouais, pourquoi pas, ouais. On a qu'à boire une petite bière pour en parler, si vous voulez. Ah bah avec grand plaisir, oui. Bon, là, je peux pas, je suis pas tout seul, et puis il faut que je file. En plus, la patronne a d'une humeur massacrante en ce moment. C'est un petit peu normal, vu ce qu'elle traverse, non? Non, pas du tout, elle est comme ça depuis des mois. Ah oui, depuis que ça chauffait avec son mari à cause de votre chronique, là? C'est plutôt depuis que Claude a commencé à travailler sur son nouveau bouquin. Je sais pas pourquoi, mais l'ambiance est devenue super électrique. Ouais. Attendez, mais j'y pense. Venez assister à l'émission si ça vous chante. Ça commence dans 2 heures. Ah ouais, pourquoi pas? Eh, ça vous dit? Non, 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 mais allez-y, vous. On va tout à l'heure. Merci. Ah bah, tout à l'heure. Pas mal, l'astrophysicienne, là. Hein ouais. Non, mais laisse tomber. Je crois qu'elle m'a dans la peau. On ne s'enfuit pas quand on n'a rien à se reprocher, mon cher monsieur. C'est un réflexe. Les flics m'ont toujours attiré avec des emmerdes. Non, belle cour. Te fatigue pas, Pelé. On sait tout sur l'accident. La combe, l'Aston Martin. J'ai rien à vous dire, moi. Je l'ai pas tué. Pourtant, lui, il a tué votre carrière. C'est les visiteurs de l'espace qui nous ont appris le chemin du pardon. Et de l'oubli. Il est sans antiquet qu'on a retrouvé dans ton larfeuille. C'est un prêt de la banque martienne, peut-être? Tu vas la cracher, ta Valda, ou je te fais bouffer un carton rouge! Belle cour! Bon, c'est à cause d'hier soir. Quand j'ai quitté le plateau, j'ai vu Madame Lacombe qui fouillait dans le bureau de son mari. Vous savez ce qu'elle cherchait? Non. Mais a priori, elle l'a pas trouvé parce que, en partant, elle était sacrément furax. Voilà, et c'est à ce moment-là que j'en ai profité pour jeter un œil et que je suis tombé sur les Pascal. Je crois que j'adore faire l'inspecteur Beretta. C'est marrant parce que j'allais justement vous dire que ça commençait sérieusement à me taper sur le système. Y a rien vu venir. Ah ouais, moi je suis un quai. Attends. Patron. Je vais rester là. Je me sens toujours pas très bien là. Oh bah zut alors. On va faire sans vous, hein, râteau. Quelque chose me dit que vous avez besoin de quelqu'un pour poursuivre cette enquête. Un homme. Un vrai. Parce qu'en cas de danger, deux femmes toutes seules, hein. Alors j'ai une idée de génie. Mais non, c'est vraiment pas la peine, patron. Je vais venir avec vous. Avec moi dans l'équipe, je peux vous dire que tout ça va être bouclé à vitesse grand V. La ferme, Beretta. Monsieur le divisionnaire, j'ai une info sur les Lacombes. Il paraît que ça chauffait entre eux depuis que le mari... Monsieur Beretta, c'est le big boss qui gère l'enquête maintenant. Alors, vos mini-pistes, hein. Moi, ce que je viens chercher, c'est de la grosse preuve. Hmm? Mmh. Vous comprenez? Dis-moi. Tu m'avais dit que tu pouvais rien faire, que c'était Claude qui insistait pour que je fasse l'abruti dans ce costume à la con. Mais en fait, c'était toi. Écoute, Yves, c'est pas le moment. Je croule sous les emmerdes. Dis, toi qui connaissais bien Claude, tu sais où il cachait ses papiers importants? Quoi? Madame Lacombe, il y a la police qui vous cherche. Ah non. Pas cet empoté de commissaire. Laissez-moi parler, Gréco. Vous allez voir qu'on n'arrive pas à la tête d'un commissariat par hasard. Alors là, vous tombez très, très mal. C'est-à-dire, chère madame, que nous aurions quelques questions supplémentaires à vous poser. Jean-Luc et Yves, vous me refaites l'intro une dernière fois. Bonsoir, notaire. Alors que la gendarmerie n'exclut pas que l'objet retrouvé dans le jardin d'une retraitée en banlieue lilloise soit... Monsieur le divisionnaire, n'hésitez pas, si vous avez besoin, je suis là. Vous manquez encore un peu de maturité, commissaire. N'oubliez pas l'importance que revêtent dans notre beau métier les notions de diplomatie.
de politesse, de patience. Bon, Madame Lacombe, on a des questions à vous poser. Et moi, j'ai un direct dans 10 minutes. C'est vrai qu'on pourra attendre que ce soit fini. Eh ben voilà. On n'a qu'à regarder l'émission et puis on posera nos questions après. Je vais me trouver une place devant. Voilà. Madame Lacombe, un témoin affirme vous avoir vu retourner le bureau de votre mari. On peut savoir pourquoi ? René, cadre plus serré, s'il te plaît. Oui, chercher des documents pour les pompes funèbres. Pourquoi, il y a un problème ? Ça vous dérange si on jette un coup d'œil ? Comme on sait pas ce qu'on cherche, c'est pas. Vous voulez un thé, Bellecourt ? Pour trouver une cachette, faut se mettre à la place du cachotier. Où cacherais-je quelque chose d'important ? Vous avez lu la lettre volée d'Edgar Poe ? Pensez vraiment que c'est le moment de parler littérature, là. Une lettre du roi a été volée. On la cherche partout en vain. Et vous savez où elle est en réalité ? Le magnéto de Jean-Luc est lancé, j'ai 3 minutes. Alors ? À l'endroit le plus en évidence. Juste sous les yeux de tout le monde. Ça, c'est un manuscrit. C'est ça que vous cherchez, Madame Lacombe ? Non, mais ça, c'est le livre que Claude est en train d'écrire. On garde. Pièce à conviction. Bien joué, Bellecourt. Encore merci pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure aux frontières du cosmos. Bonsoir, la Terre. C'est coupé, merci. Merci, Yves. Dans 5 minutes, pause déjeuner. Ah, bravo! Alors, ça t'a plu? Ah, beaucoup, hein. Merci pour l'invitation. Super. Vas-y, viens. Ah ouais. Ah, c'est coquet ici, hein. Mais disons que je passe plus de temps ici que chez moi, alors j'essaie de rendre ça un peu accueillant. Ouais. Vas-y, rentre. Et ça va avec Blanchard, parce que, putain, il avait l'air ronchon, le pauvre vieux, hein. Tu sais que ce mec-là, avant, c'était un grand journaliste. Ah ouais ? Enfin, faire le guignol dans un costume d'astronaute, enfin, c'est pas... Je vais te laisser, moi. Oui. Merci beaucoup pour l'invite encore, et bah, à bientôt. Bah, merci d'être venu. Salut. pardon, est-ce que ça te dirait de venir dîner chez moi, un de ces quatre ? Pourquoi pas ? Oui. Super. Commissaire, il faut absolument que vous m'écoutiez, là. Ça clignote de partout sur Jacqueline Lacombe. Je pense que savoir avec un bouquin que son mari est en train d'écrire. Moi, si j'étais vous, bah, je chercherais plutôt de ce côté-là, quoi. Vous parlez de sa mère, hein ? Merci, ça va aller, vous pouvez retourner faire mumuse. Bon, d'accord. J'ai déconné. Voilà. Mais je peux revenir maintenant. Vous pensez sincèrement que j'ai besoin de vous, Beretta ? Non. Non, parce que vous enquêtez toute seule. Vous donnez des ordres toute seule. Puis maintenant, vous arrêtez les méchants toute seule. Hein ? Je sais même pas pourquoi vous emmerdez encore à parler aux autres. Hein ? Je vais devoir me fader votre crise d'adolescence à chaque fois qu'on va se croiser. C'est ça ? Jusqu'à ce que je sois muté, ouais. Je sais ce que c'est d'être abaissé en permanence par son boss. Bon, vous inquiétez pas. L'inspecteur se sent rejeté, alors il fait de la provocation. Mais il va pas la demander, sa mutation. Ah, mais il fait ce qu'il veut, hein, qu'il ne gêne pas pour moi. Les inspecteurs, il a plein le commissariat. Ah oui, mais je vois bien que vous avez été blessé. Ah non, j'ai pas été blessé. J'ai été trahi. Nuance. Et par quelqu'un que j'ai aidé, en plus. Ouais, mais enfin, admettez quand même que des fois, vous avez un comportement intentiné oppressif. Bon, faites pas la maline. Sinon, je vous renvoie dans votre cabinet à écouter toute la journée des mégères qui dépriment parce qu'il pleut. Non. L'envers du décor. C'est quand même fascinant, hein. Non.
que la commissaire n'arrête pas de parler de vous. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, en fait, vous êtes payé ma tête, quoi. Elle a rien dit sur moi. Si, mais en silence. La commissaire enferme tout à l'intérieur, mais... Mais je peux vous affirmer que ces silences parlaient de vous aujourd'hui. Ouais, c'est ça, n'importe quoi. Et Sylvia, elle a parlé de moi? Pourquoi elle parlait de vous? Bon, sur ce, je vais pas m'imposer. J'ai bien trouvé un endroit pour la nuit. J'ai vu que le porche de votre immeuble était protégé de la pluie, alors... Mais arrêtez, ça va, vous pouvez rester ici. Mais attention, hein, ici, je suis le grand Manitou. Alors, règle numéro 1 à la téloge, c'est Bibi. Les programmes, c'est moi qui les choisis, je me passe de vos commentaires. Règle numéro 2, les bières, vous y touchez pas. Et règle numéro 3, vous foutez pas un pied dans ma chambre. C'est intéressant, ce désir de tout contrôler de la part de quelqu'un qui trouve sa patronne tyrannique. J'ai oublié, règle numéro 4. Interdiction de me gonfler avec votre baratin de psy. Ok. Ah, ça doit être mes affaires. J'ai demandé à mes parents de me les envoyer. Et comment vous saviez que j'allais dire oui? Ah, c'est mon métier, inspecteur. Depuis longtemps déjà, des savants se sont posé la question. Ils observent et écoutent le ciel dans l'espoir de résoudre la grande énigme de l'univers. Bon, vous avez l'excuse de la drogue, mais franchement, vous y croyez, vous, à ces conneries? Bah, disons que, dans le doute, en cas d'invasion, je prépare une liste de chansons pacifiques pour leur faire comprendre que je suis un ami. Salut! Double vodka avec un zeste de vodka. Et un glaçon. Ah, et un glaçon. Il est marrant, ce Bob, hein? Ah bah, c'est sûr que vous qui aimez bien les phénomènes inexpliqués. Et voilà. Merci. Je comprends pas votre métier. Vous avez pourtant pas l'air de quelqu'un de stupide. Écoutez, Gréco, c'est la fin de journée, je suis fatiguée. Je vous propose une trêve. Dites-moi, la psy, elle est célibataire? À ma connaissance, oui. Mais je vous conseille de passer votre chemin. Pourquoi? Parce qu'elle est hétérosexuelle? Ça sera pas ma première. Ah non, parce qu'elle est chiante. Désolée, il n'y a plus d'eau chaude. Votre espérance de vie dépassera pas celle d'un cheval si vous vous nourrissez comme ça. Hein. Croyez qu'elle va m'en vouloir longtemps? Alors d'accord, je l'ai traité de tyran, mais bon, elle aussi, hein? Elle, elle me rabaisse en permanence. Non, j'ai pas raison? Hein? Pourquoi vous répondez pas? Parce que je respecte la règle numéro 4, inspecteur. Ah, bien! Bon, bah là, autorisation de parler pendant 30 secondes, tiens. Vas-y. Vous focalisez sur le tyran. Mais moi, je pense que c'est le mémère qui est pas passé. Mais non, ça va, mémère, c'est pas méchant. Oh putain, je l'appelais mémère? Oh là là, c'est foutu. Sauf si vous baissez la garde. Et vous lui montrez que vous regrettez. Faites un geste. Un geste? Non, non, non. Moi, je fais pas de geste, hein. Si, 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 je ferai un geste le jour où les visiteurs de l'espace reviendront, tiens. Vous avez vu ça? Gréco. Commissaire? On reçoit des dizaines d'appels. Il y aurait présentement comme un phénomène extraterrestre. Restez là, Bellecour. Bon, bah d'accord alors. Volante, non? Non, non, je... Il y a forcément une explication. C'est quoi ça?
rien dans le coffre. Et le moteur tourne toujours. C'est le sac de Jacqueline Lacombe. Bloom, vous allez me relever toutes les empreintes. Mais comme si les visiteurs de l'espace laissaient leurs empreintes. Bloom. Mais ça peut pas être plus clair, commissaire. Jacqueline Lacombe a été enlevée par des extraterrestres. C'est la folie ici. Et vous avez vu la presse? Des nouvelles de Jacqueline Lacombe? Aucun signe de vie, ni chez elle, ni à son travail. Une Nadine affirme qu'un extraterrestre a remplacé son mari et lui a fait l'amour comme jamais. Mais non, mais les gens deviennent fous, Gréco. On doit boucler cette affaire au plus vite. Et dites, et si c'était vrai tout ça? J'ai lu le manuscrit de Claude Lacombe. Ah, alors, est-ce qu'il fait des nouvelles révélations? Je vais mettre ça en suspense tout de suite. Claude Lacombe n'a jamais rencontré d'extraterrestres. Mais bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il a fait pendant ses 28 jours de rencontres interplanétaires? Il était en cure de désintoxication. C'est d'ailleurs là qu'il a écrit son best-seller. Pendant que sa femme organisait cette fameuse entrevue avec les extraterrestres. Une manière de relancer leur carrière, à tous les deux. Ah, oh, mais oui. Avec le bouquin, Claude retrouve le succès. Et avec l'émission, Jacqueline, la petite speakerine, devient une productrice en vue. Malin. Et il conclut en disant qu'à force de présenter l'émission, d'entendre des témoignages, il s'est mis à vouloir y croire. Et que jusqu'à la fin de ses jours, il continuerait de chercher la preuve d'une existence extraterrestre. Ce qui est sûr, c'est qu'avec ce livre, il torpillait l'émission et coulait la carrière de sa femme. D'où les disputes. Et quand elle a vu qu'on avait mis la main dessus, elle a tout de suite compris qu'on n'allait pas tarder à découvrir son mobile. Et donc c'est là qu'elle a été enlevée par les extraterrestres? Bon, enfin, monsieur le divisionnaire... C'est elle qui a mis en scène ce stupide enlèvement pour couvrir sa fuite. C'est pour ça que j'ai fait surveiller les gares et les aéroports. Et moi je dis que les mensonges de Lacombe ont dû énerver les voyageurs interstellaires et qu'ils sont revenus pour se venger. Non, arrêtez. Vous savez, Gréco, pour faire équipe, il faut faire corps. Alors j'ai décidé de m'installer dans votre bureau. Ça s'arrête jamais, ça? Vous êtes prêts? On va où? J'ai dit aux journalistes que vous allez leur raconter votre rencontre avec un objet volant non identifié. Eh, calmos, hein. Oui, j'ai vu un truc, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de passer pour un dingue à la télé. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Des suspects? Des preuves? Des aveux? Voilà ce qu'il me faut. Bon, écoutez, inspecteur, je suis votre supérieur, donc vous allez faire ces interviews. Et Fissa. Et c'est un ordre. Moi, j'obéis qu'à la commissaire Gréco. Et je vous ai suivi sur un putain de coup de tête, mais... Ça marche pas entre nous. Donc c'est terminé. Et ça vaut aussi pour notre petite amourette. C'est pas vous qui me quittez, c'est moi qui vous vire. Mais si ça vous fait plaisir, allez-y. De toute façon, mes talents étaient gâchés ici. Vos talents? Vous avez même pas saisi que j'aimais les femmes. Bien sûr que oui, j'ai compris. Ça va, je suis pas débile, hein. Je comprends pourquoi Gréco vous supporte plus. Et Gréco, je vais la reconquérir. Parce que je sais le genre de cadeau qu'elle aime, et je vais lui offrir un cadavre et tout sera pardonné. Quelque chose vous tracasse? Elle a pas pris son sac, ni ses papiers, son passeport. Elle a pas vidé son compte en banque. Elle n'a pas pris de vêtements, ni de valises, ni même d'album photo. Alors quoi? C'est un enlèvement extraterrestre? Parce que figurez-vous que j'y ai pas mal pensé, et finalement... Je vous en supplie, finissez pas cette phrase. La presse est unanime, Gréco. Il va peut-être falloir commencer à prendre cette hypothèse au sérieux. Vous pouvez pas continuer à fermer les yeux. Nous devons nous organiser. Apprendre à communiquer avec eux. J'ai déjà pas mal réfléchi au niveau de la communication. Mais si ça se trouve, il y a des messieurs très bien parmi ces gens-là. Oubliez les extraterrestres. Vous devriez vous concentrer sur les humains. Je vais quand même aller chez l'esthéticienne, au cas où. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Alors comme ça, vous recevez des patients en catimini? Ne dites rien à la commissaire, s'il vous plaît. D'accord, bouche cousue, promis. En échange d'un dîner. On dit ce soir? Ouais, avec plaisir. Non!
Non, parce que je cuisine pour l'inspecteur Beretta. Mais demain, pour déjeuner, si vous voulez. Vous êtes ensemble? Hein? Avec Beretta? Non. Non, c'est vraiment pas mon genre. Ouh, une très bonne nouvelle. Alors, à demain, pour déjeuner. Oui, allô, inspecteur Beretta, là, pareil. Vous êtes bien le pilote qui nous avait appelé pour nous signaler un corps la dernière fois? Oui, alors, est-ce que ça vous dérangerait de survoler à nouveau la zone? Vous le saviez, ça? INEC vient de créer une classification qui va jusqu'au 7e type. Par exemple, discuter avec un extraterrestre, comme ça, tranquillement, c'est une rencontre du 5e type. Bon. Vous l'aurez cherché. Dakota du Nord, 1934. Un fermier affirme avoir vu une soucoupe volante se poser sur ses cultures. Les autorités prouveront qu'il s'agissait d'un phénomène atmosphérique. Ça, c'est une blague de type bourré, du coin. Et ça, c'est des enfants qui se sont amusés avec une assiette. Vous voyez, j'ai fait mes devoirs, Blum. Tout ça, c'est du vent. À chaque fois, c'est du vent. Ouais, enfin... Non ! Maintenant, ça suffit. Entre vous et le goff, c'est comme la peste et le choléra. Dans ce cas, je préfère être la peste. La mort est plus élégante, le choléra, c'est très gastrique. Patron ? Le pilote d'épandage a rappelé. Il veut parler à Beretta, mais je le trouve pas. Ah ben, je vais lui parler. Commissaire ! Cette fois-ci, on va se protéger. Hors de question. Eh ben, les nouvelles vont vite. Vous avez volé ma piste. C'est moi qui l'ai appelé le pilote. Pour une fois que vous bossez un peu, on va pas vous faire une statue non plus, hein. Vous avez vraiment envie de vous griller le cerveau, vous? La radioactivité est très faible ici. D'accord? Donc ça sert à rien, vos déguisements, là. Bon, Belcourt, dites au commissaire que la configuration de la scène de crime est exactement la même que celle du premier meurtre. Je refuse d'entrer dans ce jeu. Bon, l'inspecteur me dit de vous dire que la scène de crime est identique à la première. Belcourt, dites à Beretta que c'est gentil, mais j'ai des yeux. La commissaire a des yeux. Belcourt, dites à qui de droit que la baffe du tyran n'atteint pas le blanc vautour. Première vue, la cause du décès est due à une très forte décharge électrique et non à une chute. Foudroyé par un ovni, quoi. Je pense. Belcourt, dites à l'inspecteur Beretta d'arrêter de raconter des balivernes sur ma scène de crime. Belcourt, dites au commissaire... Merde ! J'en ai marre ! Pourquoi elle est vulgaire comme ça? Ces derniers temps, elle passe sa vie à vous imiter. Vous m'avez abandonné. Bon, vous plaisantez, on vous a cherché partout avant de partir. Non. Et ben, vous allez où? Interroger un témoin qui prétend avoir vu quelqu'un sortir du studio cette nuit, entraînant quelque chose de lourd. Je vais la boucler, cette affaire, moi. Et vous direz à Beretta qu'on le demande au studio télé, paraît que c'est urgent. Et voilà que je fais la secrétaire, maintenant. Patron! Ça vous dit un petit café avant? On fera le point sur l'enquête. Attendez, si j'ai tout bien retenu, avec du lait, mais pas trop, et de sucre, hein, roux, pour son cholestérol. Vous avez raison, Gréco. Comme ça, on pourra papoter. Et puis, le témoin va pas s'envoler. Oh, ben non! Vous me trouvez ce témoin et vous me le ramenez fissa au Nirvana. J'y suis dans une demi-heure. Il devait être dans les 22 heures. Je sais parce qu'après le film, je vais toujours sortir la poubelle. Et là, comme j'habite juste en face du studio de télévision, j'ai remarqué quelqu'un qui portait un truc lourd sur le dos. Comme un tapis roulé ou un gros bout de moquette, vous voyez? Vous pensez que ça aurait pu être un corps? Ça, oui, ça pourrait. Vous seriez en mesure de décrire la personne? Oui, je crois. Parfait. Cassar allait me chercher le dessinateur de portrait robot. Mais il est en vacances. Tu sais que j'ai fait les beaux-arts, commissaire? Non, mais si je peux aider... Ok, on replace le fond au niveau du cockpit. Jean-Luc ! Ouais. Je vais pas le faire. Je pense pas que c'est pas une bonne idée. J'ai pas l'habitude. Ouais, non, prends quelqu'un d'autre. Non, Max, s'il te plaît. Y'a qu'un ami que je peux demander ça, d'accord ? C'est la dernière émission, Yves Blanchard a démissionné et la chaîne veut absolument qu'on enregistre cette séquence pour dire adieu aux téléspectateurs. S'il te plaît. Jean-Luc, c'est bon, on est prêt, là, faut qu'on y aille. On est prêt, faut qu'on y aille. Merci. À tout de suite, ça va être super. Allez, bien le silence, s'il vous plaît. Y'a tout le monde en place, s'il vous plaît. Attention à ne pas être dans le champ de la 3. Et on essaye. Ça tourne. C'est quelle caméra? 5, 4, 3, 2, 1, top. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce dernier numéro d'Aux frontières du cosmos. Mais avant toute chose, il me semble que nous recevons un appel sur nos ondes.
Allô la Terre, allô Jean-Luc. Ici le Cosmos, est-ce que vous me recevez? Nous vous recevons 5 sur 5, le Cosmos. Comment ça va là-haut? Très très bien. On garde le cap. À la bonne heure. Tous les voyants sont au vert. Absolument, là, tous les voyants sont au vert. Je m'apprête à aller plus loin maintenant. Et j'actionne la vitesse lumière. Fin. Et il est parti. Nous vous remercions encore une fois pour votre fidélité. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec le bulletin météorologique d'Angèle Pinquier. Comme ça, Patrick? Oui, 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 c'est bien. D'accord. Bon, et la tête ronde, hein? Et beaucoup plus grosse aussi. Ah, plus... C'était les beaux-arts, d'où? Hein? Moi, je dessine ce qu'on me dit. Attendez, faites voir. On dirait un astronaute, non? Vous êtes un génie, Bob. Ouais, je sais. Je regardais vos reportages à l'époque. Ça doit pas être facile, hein, de passer de grand journaliste à bouffon du roi. Et puis un jour, c'est la goutte d'eau. Et bam, tu butes la combe. Et comme il n'y a rien qui change, tu dessoudes Bobonne. Ça doit faire sacrément du bien de zigouiller sa patronne, hein? Non mais j'ai fait de mal à personne, les Lacombes étaient des amis, c'était la famille. Quand mon fils était en moto, j'ai perdu pied. S'il m'avait pas tendu la main, j'aurais fini sous les ponts. Yves Blanchard était l'amant de Jacqueline Lacombe. Pff, n'importe quoi. Ah ouais? Mais ça, c'est du belge. J'ai trouvé ça dans une de tes poches, écoute. Hâte de t'enlever ton costume et que tu me montres les étoiles. J'ai vérifié, c'est bien l'écriture de Jacqueline. Non mais ça, c'est un bon mot. Non mais forcément, si vous sortez les choses de leur contexte... Les points de suspension signifient une intention romantique. Voire même érotique. Vous êtes planté, Bellecour. C'est pas Jean-Luc que Jacqueline regarde avec désir sur la couverture du magazine. C'est vous. Non mais j'ai pas pu tuer Claude à l'heure du crime, j'étais chez moi, je regardais le jeu à la télé. Sauf que comme ma femme dormait, il y avait personne pour confirmer mon alibi. C'était quoi le jeu? Réponse à tout. Oh, Lucien Jeunesse et Annick Beauchamp, je les adore, j'arrête jamais l'émission. Et alors rafraîchissez-moi la mémoire, c'était quoi la question à 80 francs? Je peux pas vous dire, j'étais aux toilettes à ce moment-là. Il ment! Il y a trois trucs qui empêchent un homme d'aller pisser quand il regarde la télé. Un, les pénaltys au foot. Deux, les films avec Bardot. Et trois, quand Lucien Jeunesse pose la question à 80 francs. Voilà! Oh, ça m'avait manqué, ça. Je suis passé chez le témoin. Il était pas là. Et sur le retour, j'ai pété un joint de culasse. J'ai dû rentrer à pied. C'est lui, le tueur? J'en étais sûr. Oh merde, à la fin, puisque je vous dis que je suis innocent. J'ai menti parce que je voulais pas faire de peine à ma femme. Elle a déjà assez souffert comme ça. Le soir du meurtre de Claude, j'étais avec Jacqueline à l'hôtel du Bois, sur la route de Villeneuve. Et on se retrouvait là-bas à chaque fois que Claude partait en observation. On avait une liaison depuis un an. Et au niveau de l'ego... coucher avec la femme de celui qui me faisait passer pour un clown, ça me suffisait largement. D'accord, donc... Ah, très bien, mais merci, monsieur. Oui, bah oui, on vous rappellera si on a besoin. Merci, monsieur. Je viens de voir l'hôtel du Bois, là, qui confirme que Yves et Jacqueline étaient bien là le soir du meurtre. Puis il allait pas tuer ses maîtresses alors qu'elle était enfin libre, ça colle pas. En plus, c'est un type intelligent, il aurait pas mis son propre costume pour sortir du studio. Ouais. Donc vous allez le libérer? Et trouver qui est sorti du studio habillé en cosmonaute, oui. Et je vous remercie, inspecteur, vous pouvez retourner à vos activités. Conseils sont tout pourris.
J'ai tout essayé. J'ai offert un cadavre. J'ai fait parler un suspect. Il me fait toujours la gueule. Bon, allez, je vais vous remonter le moral. Je suis passée chez l'épicier d'en bas et j'ai fait des courses pour le dîner. Vous avez payé comment ? J'ai mis ça sur votre note. 115 balles ? Hein ? Pourquoi des homards ? Parce que c'est jeudi soir. Mais quoi, jeudi soir ? Bah, jeudi soir, c'est homard. En revanche, ils sont vivants. De toute façon, là, je vais tuer quelqu'un. Donc autant que ce soit eux. J'arrive pas à dormir. Ce déjeuner avec Sylvia, ça me stresse. Comme j'ai jamais vraiment eu d'amis, je sais pas trop comment faire. Jean-Luc, c'est votre ami. Ouais, ouais, je crois. Et vous parlez de quoi ensemble ? De ses émissions, de vos enquêtes, de... Oui, ça dépend, ça dépend. Mais vous savez, si Sylvia veut déjeuner avec vous, à mon avis, c'est pas pour parler boulot. Bah c'est pourquoi alors ? Si c'est vos magazines cochons que vous cherchez, je les ai jetés. Mais non ! De toute façon, là, je cherchais pas ça, je cherchais du feu. Et puis, c'est pas cochon, comme vous dites. Non ? Figurez-vous que dans lui, il y a des articles de fond hyper intéressants. Oui, bien sûr. Et les pages avec les femmes dénudées, vous les voyez pas, c'est ça ? Non, mais c'est pas pareil. Là, il y a un vrai travail photographique derrière. J'aime l'art, c'est un crime. Vous réalisez quand même que ces modèles sont exploités afin d'assouvir les désirs voyeuristes de mâles sexuellement frustrés ? En plus, elles véhiculent des fantasmes de standards physiques irréalisables pour les femmes. 90, 60, 90, c'est des mensurations de martiens. Voilà. Allez, on va s'arrêter là parce que vous comprenez rien en photojournalisme. Alors, je repense à votre question là. Vous savez, d'expérience, hein, avec un ami, le plus important, c'est d'être tactile. Un petit câlin, un petit bisou, on n'hésite pas à se tenir la main, voyez, ce genre de choses. Voilà, oubliez pas qu'en amitié, ce qui est primordial, Bellecour, c'est la proximité. Dites, la voiture de Claude Lacombe, c'est pas une anglaise immatriculée 4316 JH59. Rato a reçu un appel d'arrivant, le véhicule est abandonné près de chez lui depuis quelques jours. Je vais me mettre en tenue. On se retrouve dans 5 minutes. Démarrez Beretta, vite! Allez! On voudrait pas échapper à Le Goff par hasard? Beretta. Très bien, je vous emmène. Si on fait équipe. Et aussi, vous ne me traitez plus jamais de vautour. Bah, dites-le, sinon je dis à Le Goff que vous êtes là. N'en faites pas l'enfant, Beretta. Très bien. Monsieur Le Goff, non, c'est bon. D'accord. Allez. Et aussi, vous dites que je vous ai manqué. Dites-le. Non, ça va, je rigole. Bien garé, pas un pet et fermé à clé. Qu'est-ce que Lacombe pouvait bien venir faire ici ? Eh ben la voilà, la petite fenêtre sur l'infini où il venait observer le ciel, regardez. Ça ressemble à une bonne vieille scène de crime. Je vais finir par croire que vous me fuyez, Gréco. Bah, pas du tout, monsieur le divisionnaire. D'ailleurs, vous tombez bien. J'ai besoin que quelqu'un monte. J'ai comme dans l'idée que Lacombe aurait été poussé de là-haut. Et c'est évidemment pas une mission pour une femme. Ouais, c'est pas faux. Beretta, vous qui aimez les défis. Je vous rappelle que l'inspecteur Beretta n'est plus sur l'enquête. On risquerait le vice de procédure. Oui. Ce serait dommage. Bloom. J'ai un sérieux dysfonctionnement de la voie vestibulaire. Je suis navré, patron, ça va pas être possible. Un dysfonctionnement de quoi ? J'ai le vertige. Heureusement que vous êtes là. Ça va, monsieur le divisionnaire ? C'est très haut ! Là, déjà ! Vous êtes sûr que ça craint rien ? Regardez. On dirait l'incisif qui manquait sur le cadavre de Lacombe.
Donc c'est la scène de crime. Monsieur Le Goff, c'est bon, on peut descendre, on a tout ce qu'il faut ici. Hein. Qui aurait les compétences nécessaires pour mettre en scène des pseudo-crimes extraterrestres? Yves, l'astronaute. Non, faut arrêter avec Yves Blanchard, on sait qu'il est innocent. Ah, Jean-Luc Bossuet. Quoi? Bah, à force d'enquêter aux frontières du cosmos, il doit avoir une sacrée expertise. Bah, je sais bien, mais il a un alibi en béton armé. Ouais, ça c'est vrai déjà, mais c'est surtout qu'il a rien d'un assassin. Oh, quand même. Mais quoi quand même? Non, le mec il est brillant, le mec il est drôle. Vous pouvez pas en dire autant, vous, hein? Non, pardon, hein, mais franchement, le suspecter, ce serait n'importe quoi. Je dis pas ça parce que c'est mon ami. Non, mais je... Bon, la compte tombe de la tour, d'accord? Ok. Mais après, comment ramener le corps ici? Téléportation, comme dans Star Trek. J'adore le terrain! Moi, j'en ai lancé des briquets dans ma vie. Ça n'a jamais pété comme ça. Une explosion énorme, il y avait même du feu. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai comme du feu qui sortait de terre. Non, mais ici, c'était la ligne Hindenburg en 14-18. C'est bourré d'obus. Parfois, il suffit d'un choc même minime pour en faire péter un. Ah, d'accord, c'est ça. Non, parce que vraiment, on aurait dit une bombe atomique. Hein. Ça, c'est parce qu'il était juste au-dessus d'un tunnel. Ça a fait caisse de résonance. Un tunnel? Ouais. Sous nos pieds, il y a tout un réseau souterrain creusé par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale. On sait que la commissaire Gréco était sincère. En disant qu'il y avait qu'un grand flic de terrain comme moi pour trouver des indices dans un tunnel. Ouais. Du radium. Le tueur est passé par là. Attendez-moi! Ça va, patron? Allez, venez. Oh là, allez, patron. Aidez-moi. Bloom, aidez-le parce que poussez sur les jambes. Bloom, aidez-le. Allez. Et les trappes qui permettent de remonter comme ça à la surface, il y en a tous les 100 mètres. Donc maintenant, on sait comment l'assassin est sorti de nulle part avec les cadavres. Ouais. Sans laisser aucune trace autour. Ni vu ni connu, je t'embrouille. On a enfin une explication logique à toutes ces rencontres du sixième type. Qui du coup n'en sont pas. La seule chose que j'aurais trouvée dans ce tunnel, c'est un vestige de la Grande Guerre. C'est donc pas une légende, ça picolait sec à l'époque. Ça va, monsieur le divisionnaire? Non. Stop! Ça suffit, le terrain. Ras-le-bol du terrain! J'ai pas fait des années d'études pour ramper sous la terre comme une taupe, merde! Il est pas d'époque, votre vodka. Et je crois savoir à qui elle appartient. Et voilà le poulet Katmandou. Merci. Alors par contre, il n'y avait plus de poulet. Je t'ai mis un supplément carotte. Merci, Bob. On parle de quoi? Non, parce que d'habitude, je suis assez bavarde, mais là, je sais pas, je... Toi, au moins, tu me prends pas pour une folle. Moi, je suis de l'école freudienne. Oh, cela dit, Lacan pense à peu près pareil. Hein. Je m'appuie sur le concept du croire en l'autre comme structure du refoulement originel. Parce qu'au fond, c'est pas plus stupide d'affirmer que les extraterrestres existent que de dire le contraire. Donc non. Je te prends pas pour une folle. Tu sais, il faut ignorer au maximum ce que les gens pensent de nous. C'est comme ça qu'on accède au bonheur. Tu sais, le bonheur, grosse belle course, c'est... Pour moi, c'est à 30 000 pieds au-dessus des nuages que ça se passe. Et si on allait se reposer dans ma chambre? Oh, c'est gentil, mais je suis nulle pour les siestes. Déjà, la maternelle, j'y arrivais pas.
Avec le recul, je pense que je faisais un syndrome d'autonomie précoce. Quoi? Non, vraiment, tu comprends pas ce que je suis en train de te dire? Je parle trop, c'est ça? Non, mais alors vraiment, toi, t'en rates pas une, hein? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mademoiselle Deneau? Oui? Vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi? Parce que ça vous suffisait pas de me laisser comme une cloche sur le parking. Maintenant, faut que vous veniez vous en prendre à mon ami. Eh, hey, calmez-vous, Bellecour, d'accord? Ça n'a rien à voir avec vous. On veut juste poser quelques questions à votre ami. Ah bon? Des questions? Et c'est quoi le mobile? C'est quoi les preuves? Ah, bah oui, le dossier est vide. Je dis pas ça parce que c'est mon ami, mais c'est vraiment plus facile de s'en prendre à une femme. Et puis d'abord, depuis quand vous êtes réconciliés tous les deux? On n'était pas fâchés. Mais si, enfin! Arrêtez de raconter n'importe quoi, Bellecour, franchement. Bon, qu'est-ce que vous voulez me dire? Eh ben, figurez-vous que j'ai une amie qui bosse au bureau local d'Europe 1 et qui m'a dégoté une copie d'une interview de Sylvia. Vous allez pas être déçus. Sylvia Deneau était un des meilleurs éléments du CNES. Pilote d'essai, ingénieur, c'est même elle qui aurait dû être la première femme astronaute. Ouais, celle qui marcherait peut-être un jour sur la Lune. Jusqu'au jour où... Quand je regarde les étoiles, je ne peux pas m'empêcher de penser que nous sommes sur une planète au milieu de milliards d'autres planètes. Sylvia Deneau, femme pilote d'avion à réaction, femme bientôt astronaute. Les yeux dans les yeux, vous êtes en train de me dire que vous croyez aux petits hommes verts? Ce que je veux dire, c'est que c'est statistique, monsieur Lacombe. Statistiquement, vous croyez aussi aux fantômes, aux croque-mitaines, aux ogres et aux fées? Parce que je ne sais pas. On peut couper là, non? Mais... L'interview a fait le tour du ministère. On vous a pris pour une illuminée. Allez hop, au placard. C'est comme ça que vous êtes venue chasseuse de martiens. Une brillante carrière, fichu en l'air, comme ça. Lacombe était un sale type, et même si j'ai longtemps été en colère, on a eu le temps de faire la paix, lui et moi. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il m'avait appelé pour s'excuser. Après son enlèvement, il avait profondément changé. Il m'avait même proposé de participer à son émission. Ah bah dis donc, c'est mignonne et tout ça, hein? En parlant de mignonnette... Oh, jolie. Vous pouvez m'expliquer comment celle-ci s'est retrouvée dans le tunnel qui mène aux scènes de crime? Alors, on s'est permis de vérifier, hein. C'est bien vos empreintes dessus. Je vous jure que j'y suis allée pour la première fois hier. Quand on a été voir la fermière, vous vous souvenez? Elle nous a dit que l'endroit où ils avaient retrouvé le corps de Lacombe était un champ de bataille de 14-18, vous vous souvenez? C'est vrai. J'ai demandé au ministère les cartes d'état-major. J'ai vu les tunnels et j'ai tout de suite compris. Moi, j'y suis juste allée pour vérifier. Je voulais tout vous raconter. Mais bon, pour une fois que les médias parlaient pas de moi comme de l'astronaute raté ou de la folle des ovnis, ben, j'ai voulu en profiter un peu, voilà. Bon, Castard, vous m'embarquez l'ufologue en cellule. Ben, vous faites quoi, là? Enfin, Gréco, un mobile, pas d'alibi, une présence avérée dans le tunnel, sans oublier sa position au ministère des Armées qui lui permet de se procurer des matières radioactives. Vous voyez bien que Mademoiselle Deneau est coupable. À moins que vous ayez mieux, peut-être? Pas encore. Hey. C'est bien là. Eh oui, c'est là. Bienvenue. Salut, Max. Ça va? Ouais. Tu connais Bellecour, hein? En ce moment, je l'héberge parce que la pauvre, elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. Alors. L'inspecteur Beretta est d'une grande générosité. Ah, dis donc, c'est notre dîner? Non, c'est Smith et Wesson. On n'a pas eu le courage de les tuer. Ah bah, je peux m'en occuper si vous voulez. Non, non, ça va pas. Assieds-toi, je t'en prie. Petite bière? Merci. Santé. Ma santé? Bah alors, ça va? C'est pas trop dur l'arrêt de l'émission? C'est... Ça va, ça va. Bah, disons que depuis que Claude est mort, c'est devenu sordide et pour rien de cacher, je me demande si je vais pas retourner aux Amériques, moi. Après tout, je me sentais très bien là-bas. Moi aussi, j'ai vécu en Amérique. Vous étiez dans quel coin? Côte ouest ou côte est? Est. Moi, je connais bien. Un an à Boston et deux à New York. Et vous? Ah bah pareil, New York, Los Angeles... Ah bah non. Non, Los Angeles, c'est la côte ouest. Bon, ça suffit, Bellecour, là. Did you go to Broadway? I loved it so much. Bah arrêtez, voyez pas que vous embêtez tout le monde avec votre anglais, hein. I think you speak English like a Spanish cow. Yes. Of course. Ouais.
Encore merci, hein. Je t'en prie, avec plaisir. Mais au revoir. Au revoir. Bon, fais gaffe en rentrant. Hein? Attention au... à la police. Allez, salut. À très bientôt, Max. À bientôt, ciao. Vous trouvez pas qu'il y a quelque chose de suspect? Maman a coupé qu'il a jamais mis un pied en Amérique. Il parle pas anglais. Il sait pas où est Los Angeles. Quoi, il a peut-être un peu menti sur son CV. Hein, c'est un crime? Non, mais je vous rappelle quand même que son premier alibi, c'est qu'il passait la nuit avec des amis américains. Et alors? J'ai lu le dossier, les voisins l'ont entendu. Il y en a même un qui lui a parlé, donc... Puis on a encore le droit d'avoir des potes à Merlock sans jamais avoir foutu un pied là-bas, non? Et le fait qu'il veuille être votre ami, ça aussi, c'est suspect. Vous êtes jalouse, Belcan? Vous avez vu comme il s'est proposé de tuer Smith et Wesson? Non, moi, je vous le dis, ce type est un assassin. Allez, en fait, là, vous me fatiguez. Je vais faire un tour. Vous savez comment il s'appelle, votre meilleur ami? Hein? Le déni! Parler de Jean-Luc Bossuet. Le présentateur? Je crois que son alibi pour le meurtre de Lacombe est bidon. Je crois qu'il est jamais parti aux USA et qu'il parle pas un mot d'anglais. Vous êtes en train de me dire que ce type est un assassin parce qu'il parle pas anglais? Si c'est ça, on est 50 millions de meurtriers. Et voilà. C'est fini. On se contentera d'une petite planète bleue et de son étroitesse d'esprit. Adieu, apesanteur. Visiteurs de l'espace. Bonjour métro. Bonjour boulot. Bonjour Gréco. Dites, comment ça fait pour briller dans le noir, ça? Je vous dis qu'il a une personnalité suspecte. Vous m'écoutez au moins? Bah, c'est de la radioluminescence. C'est une sorte de poudre. Et on est d'accord que c'est exactement de la même couleur que ce qui s'illumine la nuit sur mes scènes de crime? Cette poudre, elle est radioactive? Ah oui, c'est du tritium ou du radium. Mais à ces doses-là, on peut pas être irradié. Hein. C'est comme ma montre, regardez. C'est clair la nuit. Tac, 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 tac. Regardez, la marque. Bossuet, comme Jean-Luc Bossuet. Et ben voilà, c'est ce que je vous disais. Merci, Blum. On y va. Merci, au revoir. Bon, aucun passeport n'a été délivré au nom de Jean-Luc Bossuet. J'avais raison, il n'est jamais parti aux États-Unis. Son grand-père était propriétaire de la marque de montre Bossuet. Cette entreprise qui a fait faillite dans les années 50. Jean-Luc est le seul héritier. Il a sûrement encore accès au stock de radium. Commissaire, il est ni à son domicile ni au studio. On va aller faire un tour à l'usine. Il est où, Beretta? On s'est disputé, il n'est pas rentré de la nuit. Vous êtes incrusté chez lui, c'est même étonnant que vous ne soyez pas déjà entretué. C'est pas passé loin. À vrai dire, ma chérie, nous sommes surpris de te voir. Tu n'es pas dans ton nouvel appartement, entouré de tous tes nouveaux amis? Papa? Maman? Je vous prie de m'excuser de m'être montrée... ingrate. De m'être montrée ingrate.
Il se peut que vous n'ayez rien à voir avec le fait que... avec le fait que je n'ai pas d'amis. Aussi, voulais-je savoir s'il était possible que je récupère ma voiture? Bien évidemment. Dans la mesure où tu reviens à t'installer ici. Je vous manque. Enfin, ma chérie, on ne va pas laisser notre fille unique dormir dans la rue comme une vulgaire mendiante. Imagine un peu si les voisins la prennent. De toute façon, ce n'est que partie remise. Ah oui, on sait tous que je ne vais pas finir ma vie avec vous. Hein ? Évidemment. Évidemment. C'était humiliant. En plus, pardon, mais je m'en sortais parfaitement bien sans eux. J'ai compris que j'avais foiré l'examen d'anglais et que t'allais forcément venir fouiner. Oui. Allez, avance. Tu sais, j'ai trouvé une lettre qui était adressée à ta mère. Elle était de 47. Elle est écrite par un certain Claude, qui lui demande d'accepter l'argent et en échange de plus jamais le contacter. Là, comme c'était ton père. Hein, Jean-Luc ? Hein ? Quand maman est morte l'année dernière, j'ai découvert qu'ils avaient eu une liaison, qu'elle était tombée enceinte. Tu sais, c'est pas rien quand t'es orphelin de découvrir que t'as un papa. Ouais. Mais la combe, c'est pas le genre de mec qu'on approche comme ça. Ah oui, d'accord, je comprends. C'est pour ça que t'as cherché à te faire embaucher sur l'émission. Absolument. Je me suis inventé des études de journalisme. Une carrière aux États-Unis. Ça savait pas toujours les gens. La preuve, ça a marché. Claude ! Je te présente Jean-Luc, qui s'occupera des petits reportages dont on a parlé. Monsieur Lacombe ? Pardon, je suis un peu impressionné. Appelez-moi Claude. Un soir, je l'ai suivi. Et c'est là que j'ai découvert sa petite fenêtre vers l'infini. Je me suis dit que ce serait idéal pour tout lui raconter. Alors je l'ai rejoint tout en haut. Mais il en avait rien à foutre d'avoir un fils. Tout ce qui comptait pour lui, c'était de trouver ses foutus extraterrestres. Et puis là, je sais pas, j'ai un peu pété les plombs, j'ai déphasé. Et j'ai poussé dans le vide. Moi aussi, j'ai des problèmes de relation avec mon père, mais c'est pas pour ça que... C'est vraiment con, Max, parce que je t'aime bien, moi. Mais là, j'ai encore besoin de toi. Je te promets que c'est la dernière fois. Demain, on va te retrouver suicidé au milieu du radium. Chez toi, il y aura plein de coupures de presse sur cette vieille ordure de la combe. Alors, on se dira que t'as fait une fixette sur lui, sur son émission. T'es même allé jusqu'à mettre le costume d'Yves, à m'inviter à dîner chez toi. Et puis moi, je leur dirai que... J'étais sans doute le prochain sur ta liste. Mais non, non, non. Gréco avalera jamais ça. Arrête, Jean-Luc. Arrête. Thank you.
Hein? Je vous ai sauvé la vie? Ouais, sauvé rien du tout. Bossuet. Ah bon, d'accord. Non, mais j'allais l'arrêter, hein. C'est bon. Le tueur psychopathe, c'est pas Sylvia. Bon, ça suffit, Bellecour. Sylvia n'est pas votre amie, elle veut coucher avec vous. Bah comment j'ai pu louper ça? Allez. Vous êtes passé par où, vous? Ben, faut croire qu'elle a de la suite dans les idées, la mémère. Vous voyez, inspecteur, c'est mémère qui coinçait. C'était simplement les mains grandes ouvertes et le regard plein d'amour d'un fils face à son père que j'ai vu sur la photo. Père que vous avez tué en le poussant dans le vide. J'avais juste besoin d'un bon alibi pour semer la confusion. Les gens, ils aiment le spectacle. Mais ils allaient en avoir. Alors j'ai mis le corps dans mon coffre et je suis passé au studio pour récupérer des bandes magnétiques. L'enregistrement d'un dîner en anglais? Oui. Quand je suis repassé chez moi, je me suis débrouillé pour que tous les voisins me voient. J'ai fait jouer la bande audio très fort pour que tout le monde m'entende. Et je suis même allé emprunter un tire-bouchon pour être sûr qu'il y ait un témoin. Et ensuite, direction l'usine familiale, vous récupérez le radium et vous filez dans les tunnels de la ligne Hindenburg. Bah, ces tunnels, je les connais comme ma poche depuis que je suis gamin. Mon grand-père m'y emmenait tous les dimanches en me racontant la Grande Guerre. Alors j'ai fait remonter le corps par la trappe. Je l'ai mis par terre. Et ensuite, j'ai aspergé la scène avec un pulvérisateur rempli de radium pour faire un cercle radioactif. Et hop, un crime venu de l'espace. Et la police est troublée, et la presse s'emballe. Mais pourquoi avoir tué Jacqueline? Parce qu'elle avait compris. Claude. T'as exactement la même tâche de naissance que Claude au même endroit. C'est incroyable parce que... Oh mon Dieu. T'es le fils de Mathilde Lopier. Vous saviez? Bien sûr. Je savais que Claude couchait avec cette idiote de secrétaire. Jean-Luc, t'as pas tué Claude? C'était un accident. Police? Tu mets le costume d'Yves, au cas où il y a des gens qui doivent sortir du studio en pleine nuit. Mais en revanche, je comprends pas comment t'as fait pour l'OVNI. Projection d'un rayon de lumière sur les nuages. C'est comme le cinéma. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, on a reçu beaucoup d'appels venant de Calais. Alors j'ai enquêté, et c'était un ingénieur à la retraite qui avait bricolé un super projecteur pour passer dans l'émission. Puis t'abandonnes la bagnole. Comme si Jacqueline Lacombe s'était fait subitement enlever. Tu montes sur le toit de l'usine pour faire rayonner ton truc, là, et que toute la ville le voit. Et vous avez la nuit devant vous pour récupérer votre voiture, où le corps de la victime est caché. Et rebelote, les tunnels de la ligne Hindenburg. Remarquez-le. Ça
Dommage, Max. Moi, je t'appréciais vraiment. Vous avez vu? Moi, j'ai réussi à me faire un ami. Sylvia. Je suis désolée, je crois qu'on cherche pas la même chose, mais on pourrait quand même aller boire un verre en ami. Non, l'amitié finit parfois en amour, mais rarement le contraire. Alors, ce sera sans moi. Au revoir, Rose Belcourt. Qu'est-ce que vous faites? On part à la mer, à libérer Smith et Wesson. Ah bah voyez, pas besoin de chercher bien loin. Vous êtes amis tous les deux. C'est sympa, la tête. Non, pas du tout. Bah tiens, d'ailleurs, on va y aller à deux voitures. Absolument. Ouais. Un homard par voiture. Vous voyez ce que je vois? Ah, je crois que je vois ce que vous voyez. Ouais. Alors, on a rien vu du tout. Non. On a rien vu. Rien du tout.